Je pense que dans la vie, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je fais l'amour et quand je suis sur scène. La chambre verte. C'est moi, je suis un peu contagieux. Oh ouais, ah, contagieux. Vous avez réussi à passer sans trop de problèmes? On est passé par les garages. Ouais. Mais vous aviez averti la salle? Oui. Ah, j'ai contacté la presse. Tout était calé. Tout était bon. Bah, maintenant, je suis libre. Donc, si on a fait quelque chose à faire ensemble, on le fait maintenant déjà. Et on aimerait bien choper juste un peu de son de la balance, je ne sais pas s'il joue. Oui, bah la balance, il fait le piano, après il y aura la basse, après il y aura la batterie, après on en a pour... On est tranquille. Ok. Je ne vais pas y aller en 45 minutes. Ah ouais, donc c'est bien. Tu fais aussi la balance? J'en fais 3%, quoi, à la fin. Ok, la touche finale. Bah oui, parce que moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je prends au quart tour à part la trompette, donc ça va très vite. Et si j'ai pas d'interview, je reste à l'hôtel et je viens une heure et demie après. Que mon piano vous dérange? Non, pas du tout. C'est à côté. Pas du tout, non. Au contraire. Thank you.
sonne un peu piano basse string et basse. Sur scène un peu de stress, mais trois heures avant. Non, le piano, c'est une manière de composer. On sait jamais, si à coup, tu trouves une petite idée, ça mange pas de pain d'essayer. Voilà. C'est drôle pour moi de jouer ici, parce que comme nous avons enregistré l'album à ICP, qui est un studio qui est quelques un kilomètre d'ici, j'ai traîné parfois avec une fille autour du parc de Folaget, et avec Annette, mon amie, on allait dans un bistrot aussi. Et là, je n'avais pas fait le rapport. Et quand on est venu, j'ai reconnu tout de suite. C'est là qu'on a pris le bus pour aller au centre de Bruxelles. Donc, et c'est rigolo parce que c'est le dernier concert électrique de la tournée. On a encore un concert acoustique, c'est-à-dire sans Fender Rhodes. Et la musique, elle est née là. Vraiment, on a composé une partie de la musique là et on termine. Et donc Flaget, une première. Ah oui, total. La dernière fois, j'ai joué à l'ancienne Belgique. J'ai déjà joué au Botanique, j'ai déjà joué dans pas mal de salles, mais pas Flaget. Donc tu as déjà eu l'occasion de déambuler un peu dans la salle Ouais, j'ai regardé un petit peu, ouais. Mais je ne m'éternise pas trop parce que j'ai pas envie de développer tous les paramètres qui pourraient m'impressionner, parce qu'elle est impressionnante cette salle. Je ne veux pas y penser trop. Hein. L'important, c'est ce qu'on va faire ce soir et que l'on soit à l'aise. Quelque temps, ce que j'aime faire, c'est pour chaque ville, on invente un nouveau morceau. Alors là, je veux le faire ce soir aussi. En espérant qu'on sera aussi inspiré qu'à ICP, parce que le dernier album, on a improvisé 20 minutes de musique à la fin de notre séance. C'est ce que je préfère de l'album. Ça s'appelle Bruxelles Session. 20 minutes improvisées total. Ça, je l'adore. Ben on doit s'empresser d'aller dans les bacs, alors, le chercher. Ouais, mais c'est même pas si ça existe encore, c'était vendu surtout sur... Ah, mais c'est sur les vinyles, voilà. Sur le vinyle, tu vois. Bruxelles Session, ça s'appelle, en plus.
Mon premier souvenir de live remonte assez loin. C'est mon père qui joue pour les périodes de Noël dans une brasserie près de Genève, de la musique folklorique suisse. Et je vais jouer avec lui quelques morceaux, il m'emmenait parfois, et j'avais 6-7 ans. Donc c'est trop bien. Moi, je pense que dans la vie, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je fais l'amour et quand je suis sur scène. J'ai déjà rencontré des gens hein, qui sont connus sur l'album Bending New Corner et qui ont baisé tout le long du concert en dessous de la scène. Donc c'est un moment qui peut être très fort. C'est pas tout le temps, hein, mais c'est important, quoi. C'est incroyable. Alors pour moi, j'en ai tout à fait conscience d'être rémunéré pour prendre un plaisir comme ça. C'est une grande chance. Une fois, j'ai fait un projet avec Malcolm Braff et puis un écrivain, complètement improvisé dans la salle du Botanique. Ça s'appelait Écriture de concert. Et ben là, c'était un instant absolument magique. Et c'est une petite salle avec. C'était incroyable. Pour nous, c'était incroyable. Il y avait beaucoup de poésie. Le truc, c'était qu'un type inventait de la poésie en écrivant sur une palette graphique. Mais c'est pas qu'il faisait l'écriture automatique, il cherchait les bonnes phrases. Et nous, on cherchait la musique aussi. Tout inventé. Complètement en panne. Ah, il y a des morceaux qui sans arrêt, nous réservent des surprises. Comme The Damned, qui est le titre de mon deuxième album. On peut le refaire indéfiniment. C'est tellement ouvert qu'on est surpris par ce qui en sort. Plein de lives de Miles Davis à l'époque, il faisait du bebop, que j'adore, dont un live qui représente. Excuse-moi. Yes! Ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais, sympa. Merci beaucoup. Dans combien de temps? Là, ça va bientôt être à toi. Que, je file. Merci beaucoup. Donc il y a un live qui représente vraiment le moment où le jazz est passé dans une autre période de l'histoire. C'est un live à l'Olympia avec Miles et il est avec Red Garland qui joue des accords très 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 jazz quoi. Et puis Miles tous ils jouent très jazz, Philly Joe Jones et Coltrane lui il est dans un autre monde. Il est plusieurs années en avance et donc il à tel point que au bout d'un moment le pianiste il arrête de jouer et il reste juste avec le batteur et le bassiste. Là c'est un live que j'aime beaucoup et en plus tout le monde siffle Coltrane le pauvre et quand il sort de scène il va vers le directeur de l'Olympia et lui dit oui je suis désolé je pense que j'ai été sifflé parce que j'ai pas été assez avant-gardiste. We'll be right back.
Et il y a un autre live que j'écoute pas mal aussi, c'est Plug and Nickel, Miles Davis. Et c'est une époque où ils ont commencé à... Ils ont tellement joué les morceaux qu'ils en avaient marre. Donc ils ont commencé à les éclater. Et puis c'est Herbie Hancock et puis Tony Williams. Ils faisaient n'importe quoi, ils en avaient vraiment marre. Mais alors ils faisaient ça derrière Wayne Shorter. Et puis après, quand c'était Miles, ils revenaient à jouer gentil. Et Miles était furieux. Il leur a demandé d'être aussi fou derrière lui. Et ça, c'est une période de l'évolution du jazz très importante. Je me demandais, il y a des trucs comme ça dans les concerts, au niveau des échauffements, je sais que chaque musicien parfois a des petits rituels. Ben, je dois faire quelques sons avant, ouais, pour que ça vibre bien. Ouais. Mais moi, je me chauffe minimum. Je garde les muscles pour le soir. Je fais quelques notes de trompette. Je vais pisser, me brosser les dents. Bon, continuons. Yeah! Ok, j'arrive. Là, vous enregistrez dans la salle, c'est ça? Oui. C'est lequel? Enchanté. Et Bastien. Et Bastien, mes amis, journalistes. Voilà. Et enchanté. Enchanté. Donc c'est Benoît, Marcello et Arthur. Nous on les connaît. Eux ne nous connaissent pas, mais. Bah nous on vous connaît aussi. Ah bon? Vous êtes les mecs qui avaient joué dans ça, ça s'est passé pas chez moi. Je vous reconnais avec la caméra. Benoît Corbeau, pianiste, clavier, ingénieur du son et complice de Eric depuis une trentaine d'années, peut-être. Et alors, est-ce que vous pouvez décrire la salle où on est ici? Ah, c'est magnifique, c'est assez impressionnant. Le son est un peu envahissant là, pour la musique qu'on fait. On espère que ce soir, le public arrangera les choses. Je me demandais s'il y avait un souvenir de tournée ou un concert, une soirée où il y avait un son particulier ou quelque chose de plus mémorable. Qu'un... Bah hier, on a joué à Hollande avec notre tourneur hollandais. Et il avait trouvé une date en Estonie il y a 2 ou 3 ans, l'été. Et donc on l'a revu hier avec son associé, on a reparlé de cette date, c'est pour ça que ça m'a... Que ça me revient. C'était dans un festival qui s'appelle le Lego Lake Festival. C'est un propriétaire d'une campagne perdue en Estonie qui a construit des lacs artificiels à un endroit où il y en avait. Et il a déposé des scènes sur ces lacs et fait un festival. Et on a repensé à ça. On est arrivé l'après-midi, c'était bucolique, champêtre, des jolis lacs, des scènes en bois, on s'est installé. Et il y avait un vieux monsieur sur une barque qui naviguait, qui tournait autour de la scène, puis il déposait des choses sur le lac. Et en fait, le soir, on a vu que c'était des... C'est pas des bougies, des trucs qu'il a fait allumer. Et plus le concert avançait, il y avait des jets de flammes qui sortaient du lac. Et on voyait l'après-midi des bûcherons qui coupaient des arbres de côté du lac. Et finalement, à la fin du concert, il y avait le feu partout. Voilà, et c'était enfin, un truc complètement fou. Thank you.
Je m'appelle Arthur Natek et ce soir, je serai le batteur avec le quartet de Eric. Comment tu décrirais Eric ? Ben justement, il a l'habitude de faire confiance aux gens avec qui il joue. Et donc, ça veut dire aussi de donner une grande part de liberté. Et voilà, il y a des compositions. Ce soir, on va aussi jouer des morceaux qu'ils ont écrits ensemble il y a 10, 15 ans. Et donc voilà, comment est-ce que... Je trouve que lui, il a une grande capacité de justement d'accepter le fait que voilà, moi, je suis un peu nouveau et puis que, évidemment, ce que je vais faire, ça va être différent et que justement, il encourage ça plutôt qu'il tient au fait que je puisse juste répliquer quelque chose qu'il connaît déjà. Donc c'est très agréable de travailler avec lui justement puisque il donne une grande part de liberté à nos choix et nos envies aussi de musique. Vincent Lascotte et Bastien Paternotte ont eu la ravissante et la gentillesse de m'inviter pour cette émission La Chambre Verte. Et je suis le premier invité, donc potentiellement le parrain, et je m'appelle Eric Truffaz.